protégé et établi sa majesté parmi nous. J'ai établi ton autorité ce matin dans votre cœur. Et dispose de vous, Seigneur. Dispose de vous à te recevoir ce matin. À recevoir ta parole ce matin. À la garder pour toujours. Et to keep this word forever. Et à la mettre en pratique, Seigneur. To practice your word. Seigneur mon Lord our God. Merci au nom de Jésus. Amen. Laisse avoir ton droit. You can have your seat. Bien aimé, le thème de notre message. The theme of our message. C'est le prix des bonnes œuvres. The price of your good deeds. Le prix des bonnes œuvres. The price of your good deeds. Bien aimé, nous sommes chrétiens. My brother, we are Christians. Et nous pensons que cela suffit. And we think it's enough. On est chrétiens, non, on ne doit plus poser taxes. We think that we are Christians, we don't need to do anything. On ne va plus produire de bonnes œuvres. We don't need to do any good things. Et on pense que cela suffit pour être béni. And we think it's enough to be blessed. Cela suffit pour être exaucé. It's enough to be exhausted. Cela suffit pour gagner le roi des cieux. We think it's enough to win the kingdom of God. Ben, bien aimé, un chrétien sans bonnes œuvres. A Christian without good things. N'est rien. It's nothing. Un chrétien qui ne produit pas de bonnes œuvres. A Christian that does not produce a good thing. N'est pas un chrétien. It's not a Christian. Un chrétien qui dit qu'il a la foi. A Christian that says he has faith. Et qui ne produit pas d'œuvres. And does not produce any good thing. Et il n'est pas chrétien. It's not a Christian. Et il n'a pas de joie. And he don't have a voice. Parce que ce sont les œuvres. Because it's your deeds. Les bonnes œuvres. Your good deeds. Qui détermine le chrétien. That will determine who you are. Et bien aimé, c'est ce que nous allons voir. And that is what we are going to see. Dans Acte 9. In Acte of Apostle 9. Acte chapitre 9. Acte of Apostle 9. Verset 36 à 41. Verse 36 à 43. Acte chapitre 9. Acte 9. Verset 36. 36, 43. À 43. 43. Qui a trouvé le passage? Are you there? Is anybody there? Ah ouais. Acte 9, 36, 42. Tu peux le prendre? Il y avait à Joppe, parmi les disciples. Il y avait à Joppe. À Joppe, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bons jeux et de noms. Elle tombait malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavé, on la déposait dans une chambre haute. Comme lui est près de Joppé. Les disciples ayant appris que Pierre y trouvait, envoyaient deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. Tous les veuves entouraient en pleurant et lui montaient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fut sorti, tout le monde se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et elle la fut levée. Il appela ensuite les saints et les veuves et les présentait vivants. Cela fut connu de tout Joppé. Cela fut connu de tout Joppé. Et beaucoup crut au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un coroïa nommé Simon. Amen. 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 Bien aimé, donc voici ce passage. My brother, this is the passage. Ici, hier, il est question d'une femme qu'on appelle Tabitha. A woman named Tabitha. Mais Tabitha, bien aimé, Tabitha, my brother, ça veut dire Dorcas en grec. Mean Dorcas in Greek. Dorcas aussi veut dire la gazelle. Dorcas means in Greek language gazelle. Donc Tabitha veut dire Dorcas. Tabitha means Dorcas. Et Dorcas, ça veut dire la gazelle.
Dorcas is the name of one animal. Donc Tabitha habitait une ville qu'on appelait Joppé. Tabitha lived in a city called Joppé. Et c'était une croyante. And she was a believer. C'était une disciple de Jésus. She was a disciple of Jesus. Et tout le monde connaissait cette femme. Everyone knew that woman. Pour les bonnes choses qu'elle pose. For her good deeds. Elle faisait beaucoup de bonnes choses. She was doing a lot of good deeds. Elle aidait les personnes vulnérables. She was helping people that they are weak. Elle aidait les veuves. She was helping widows. Et elle leur donnait beaucoup de joie. She used to give them many things. Donc tout le monde la connaissait pour les bonnes choses qu'elle pose. Everyone knew her for her good deeds. Voilà que c'est une bonne femme. This is a good woman. C'est une bonne femme. That brave woman. Son malade. Fall sick. Et elle meurt. And she died. Quelle mort? When she died, tous les disciples de Jopé, the disciples of Jopé, vont se mobiliser pour elle. They will mobilize for her. Et ils vont envoyer deux hommes. And they will send two men. Pour aller appeler Pierre. To go and call Peter. Parce que Pierre était dans une ville à côté de Jopé. Because Peter was in a city called Jopé. Et cette ville s'appelait Lydde. And the city name is Lydde. Ils vont aller dire à Pierre. So they will send Peter. They will need urgently à Jopé. To come urgently to the city. Et lorsque Pierre va arriver à Jopé. And when Peter will come to the Jopé. Il va trouver que Tabitha est décédée. He will see that Tabitha died. Et on l'avait déjà lavé. And they even passed her already. Et on a déposé son corps. They exposed the body. Dans une pièce. In a room. Dans une chambre rouge. An upper room. Et Pierre va aller dans cette chambre. And Peter will go to that room. Dans cette chambre. In that room. Toutes les veuves étaient réunies. All the widows were united. Elles étaient réunies au fort, autour du fort de Tabitha. They were surrounding the body of Tabitha. Et toutes les femmes, toutes les veuves étaient en train de pleurer. And all the widows were crying. Lorsque Pierre est entré. When Peter entered. Elles lui ont présenté les tuniques et les vêtements. They showed him the clothes que Tabitha confectionnait. That Tabitha was sewing. Et Pierre va dire à tout le monde, sortez de la chambre. And Peter will ask all of them to get out. Donc il fait sortir tout le monde de la chambre. He took everyone to get out. Il se met à genoux et il prie. He kneel down and pray. Après avoir prié, after he prayed, Pierre se tourne vers le corps. Peter turned to the body. Et il dit, Tabitha. He said, Tabitha, lève-toi. Stand up. Et elle a ouvert les yeux. And she opened her eyes. Et elle s'est assise sur le lit. And she sat down. Lorsqu'elle s'est assise sur le lit, when she sat down on the bed, elle lui a donné la main. Peter gave her a hand. Et Pierre l'a aidé à se lever. And Peter helped her to stand up. Ensuite, Pierre a appelé tout le monde. And Peter called everybody. Et il a présenté Tabitha devant tout le monde vivant. And he introduced Tabitha to all of them alive. Bien aimé, donc voici notre passage. My brother, this is our passage. Je parle donc de Tabitha. Bien aimé, Tabitha. My brother, Tabitha. C'est une croyante comme vous et moi. She is a believer than you, like you and me. C'est une disciple de Jésus comme. She is a disciple of Jesus Christ. Mais Tabitha avait quelque chose de particulier. But Tabitha has something particular. Et ce qui caractérisait Tabitha. What was characterizing Tabitha? C'était pas non seulement sa foi. It was not only her faith. Ce n'était pas non seulement la prière qu'elle faisait. It was not only her prayer. Mais ce sont les portions et le monde, les hommes qu'elle donnait. It was her good deeds and all the sacrifices she was giving. Elle faisait beaucoup de bonnes choses. She was doing many good deeds. Elle aidait beaucoup les gens. She was helping people a lot. Elle aidait beaucoup les gens. Lorsqu'elle est morte, elle était entourée. Son corps était entouré de veuves. You see, when she died, she was surrounded by widows. Donc, par exemple, elle aidait. She was even helping widows. Elle aidait donc les personnes dans le besoin. She was helping people in need. C'est elle faisait beaucoup de monde. She was doing a lot of sacrifice. Elle faisait beaucoup de offrandes. She was doing many offerings. Bien aimé. My brother. Voici donc ce qui caractérisait sa foi. That is what characterized. Mais bien aimé, en tant que chrétien. As a Christian. Est-ce que c'est ce qui te caractérise? Is it what is characterizing? Parce que quand je le dis, être chrétien, as I'm saying, being a Christian ne suffit pas pour avoir la bénédiction. It's not enough to have blessing. Être chrétien ne suffit pas pour que Dieu nous aide à sortir d'une situation difficile. It's not because you are a Christian that God will help you to come out of a difficult
situation. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour toucher le cœur de tous ceux qui sont autour de nous? It is not because we are Christians that God will touch you. Nous pouvons les mobiliser pour notre cause. And it's not because you are Christian that you may mobilize people around you. Est-ce que ce n'est pas pour toucher le cœur de Dieu? It is not because you are Christian that you touch the heart of God. Mais est-ce que ce n'est pas pour being a Christian doit nous amener à poser et to have good teeth. Sur par quoi on peut reconnaître que tu es chrétien, bien aimé? That is how people can recognize you as a Christian. Bien aimé, Jacques. My brother. Dans Jacques 1, verset 17. James 1, 17. Il y a dit de suite, la religion pure, les tentages, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les pauvres dans leur affliction et en se préserver des sujets du mort. Amen. Ça fait Jacques 1, James 1:17. Verset 17. James 1:17. Bien, être chrétien, un Christian, doit consister donc à poser des bonnes choses. To have good things. Doit nous amener à aider. And to help others. Non seulement dans notre vie. Not only in our church. Les personnes qui sont dans le besoin. But people in need. Mais dans la vie à aider. To help. Ceux qui sont encore dans notre famille. Even in our family. Dans notre entourage. In our environment. Qui sont dans le besoin. People that we are in need. Mais en tant que chrétien, tu es le même. Est-ce que tu sais? As a Christian, is it what you are doing? Est-ce que tu produis des bonnes choses? Are you producing good things? Bien aimé, pour aider. My brother, to help. Cela ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement être riche. You don't need to be rich though. Rien ne vous dit que ta vie est riche. Nothing tells us that. Avec une chose, on peut aider. You can have small and help others. Parce que le peu que toi tu as, because the small you have, ça ne va même pas. So talking in heaven. Avec le peu que tu as, with the smallest you have, tu peux toujours faire le bonheur de certaines personnes. You can make other people happy. Mais bien-aimé, est-ce que tu fais? Parce que Dieu tient compte des œuvres que nous faisons. Because God considers the acts you are doing. Dieu considère les bonnes œuvres que nous produisons. God considers your good things that you are producing. Mais en tant que disciple de Jésus, but as a disciple of Jesus, est-ce que c'est ce que tu fais? Is it what you are doing? Où sont les offrandes que tu présentes? Where are the sacrifices? Où sont les offrandes, les offrandes que tu fais? Where are the people that you need? Where are your good deeds? Bien aimé, nous avons cette femme. We have that woman. Qui aidait beaucoup les gens. That helped people. Mais bien qu'elle aidait les gens, but she was helping people. Qu'est-ce qui va arriver à cette femme? Even though she was helping people, what will happen to her? Cette femme va tomber malade. She will fall sick. Et elle va mourir. And she will die. Mais quand elle va mourir, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? But when she will die, what will happen? Bien aimé, parce que nous sommes chrétiens. Because we are Christians. Et nous ne sommes pas à l'abri des difficultés. That nothing that difficulty will not come to us. Nous ne sommes pas à l'abri des problèmes. That nothing problem will not come to us. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne va pas vivre des problèmes. It is not because we are Christians that we are not going to go. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas tomber malade. It is not because we are Christians that you cannot fall sick. Les problèmes font partie de l'existence. Problem is part of our existence. Les difficultés font partie de la vie chrétienne. Difficulties is part of our Christian life. C'est la vie chrétienne nous allons en rencontrer. And in our Christian life, we are going to go through difficulties. Bien aimé, donc voici que Tabitha, elle aussi, elle va rencontrer un problème. Tabitha, she will also have a problem. Mais son problème qu'elle a rencontré, but the problem that she will have, c'est qu'elle est tombée malade. She falls sick. Et elle est même morte. She even died. Mais bien aimé, à cause de tout ce qu'elle a fait, but my brother, because of all what she has, à cause de tout ce qu'elle a fait, because of all the good things, Dieu va pas te tomber. God will not let Tabitha down. Dieu va pas abandonner Tabitha dans sa situation. God will not forsake Tabitha. Parce que Tabitha n'est pas n'importe qui. Because Tabitha is not anyhow person. À son père, elle n'était pas n'importe quel chrétien.
sera bien aimé. Because of that, my brethren, Dieu ne peut pas abandonner ta vie. God cannot abandon ta vie. À cause de cela, bien aimé. Because of that, my brethren, les autres disciples ne peuvent pas abandonner ta vie. Et bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? What will happen, my brethren? C'est que les disciples de Jopé, the disciples of Jopé, vont se mobiliser. They will mobilize. Et ils vont envoyer deux personnes à Lille. They will send two people to Lille. Pour aller appeler Pierre. To go and call Peter. Pour venir. To come. Bien aimé, my brethren, c'est que les bonnes choses de ta vie vont faire. This is what the good thing of ta vie will do. À cause de ses bonnes œuvres, because of her good deeds, Tabitha a trouvé grâce. Tabitha find grace dans le cœur de chacun des disciples aujourd'hui. In the heart of each disciple of Jesus. Mais elle a trouvé grâce aussi devant Dieu. And she also find grace in the heart of God. Bien aimé, en tant que chrétien, as a Christian, my brother, en tant que chrétien, as a Christian, tu dois aussi chercher à trouver grâce dans le cœur de chacun de tes frères. You need to look for grace in the heart of your brother. Tu dois trouver à chercher grâce dans le cœur de chacune de tes sœurs. But you have been in this church for a long time. Quels sont tes actes? What are the good things? Montre-nous tes actes de marché. Show us your good things. Si Dieu venait de toi, où sont tes actes? If God come and ask you, where are your good things? Tu es dans le besoin. You are in need. Tu es dans la difficulté. You are in difficulty. Tu veux que je t'aide. You want help. Mais par rapport à quoi tu veux m'appuyer pour t'aider? But God will ask himself, what is he going to use to help you? Sur quoi je vais m'appuyer pour t'aider? You want to get married. Tu veux travailler. You want to work. Tu veux guérir. You want to get healing. Mais sur quoi Dieu doit t'appuyer, bien aimé? But what God will lead on to help you? Pour te bénir, pour t'exaucer, bien aimé. To bless you, to exhaust your prayer. Bien aimé, donc, voici Tabitha, elle est décédée. This is Tabitha, she died. Et ce sont tes sœurs. But her good things. Qui vont témoigner à ta place. Will testify for us. Et ton compagnon. They called Peter. Who was wrong to Pierre arrivé? When Peter came, et il rentrait dans la chambre. He went to the upper room. Où le corps de Tabitha était. Where the body of Tabitha was exposed. Le premier geste des veuves. The first thing that the widows have done. A été de prendre les tuniques qu'elle a fabriquées. They took the clothes that Tabitha sold. Et de tous les vêtements qu'elle a fait. All the clothes that she made. Et puis ils ont présenté ça à Pierre, moi une preuve. Look at what she has done. Regarde les tuniques qu'elle a fait.
comment te prends tes yeux, monsieur? Madame, show me your teeth. Quels sont tes yeux? What are your teeth? Les gens sont dans le besoin. People are in need. Mais quels sont toi tes yeux que tu fais pour les aider? So what are you doing to help them? Parce que nous pensons qu'un chrétien, to believe that being a Christian is enough. Veillez à l'église, to come to church is enough. Prier jeûne, c'est suffisant. Prayer and fasting is enough. Ce n'est rien, bien aimé. It is nothing. C'est par tes yeux qu'on va reconnaître que tu es chrétien. It's by your good teeth they will reconnaître you as a good Christian. C'est Jacques l'a dit, bien aimé. And James said it. La foi dans les œuvres est une foi morte. Faith without good deeds is a dead faith. Une foi sans œuvre est une foi qui n'existe pas. Et faith without a good deed is a faith that does not exist. La foi n'existe que par rapport aux œuvres. Your faith exists because of the deeds. Si j'ai la vie ici, tu vas la dire à une fille, je t'aime. You will tell a woman, I love you. Chaque fille que tu chantes à l'oreille, je t'aime. Est-ce que de mon amour je mange? And why did you ask you, am I giving your love? Là, elles ont posé la question à plusieurs garçons comme ça. Oh, many women have asked men this kind of question. Ah, moi, je vois la preuve de mon amour. She will ask to show me the proof of your love. Parce que quand on aime, because if you love, on est obligé de produire des œuvres. You are obliged to produce. On est obligé de fournir les amours à l'autre. You are obliged to give this. De faire des offrandes pour les mains des offrandes. To give de l'argent. Offering to give money sometimes. C'est la même chose que la foi. That is the same thing. La foi est un sentiment. The feeling, love is a feeling. La foi aussi, c'est un sentiment. The faith too is a feeling. Donc on ne voit pas ce sentiment. But if they don't see that feeling. On ne reconnaît ce sentiment que par rapport aux œuvres. You can only recognize that feeling by your deeds. Amen. Bien-aimé, mais quels sont tes yeux? Parce que, what are your teeth? Parce que dans la vie, le chrétien doit avoir produit des œuvres de charité. Because in a Christian life, you need to have. L'église va avoir une fonction de charité. And the church is a charitable place. Une église qui ne s'investit pas dans le social. A church that does not invest in the church is not a church. Ici, en fait, on prend le deuxième offrande pour être seul. Il y a une offrande, second offrande, sometimes each month. Et c'est une fonction. And it's a good thing. C'est une chose à encourager. It's a thing that we need to encourage. Et nous aussi, bien aimé. And we also. Nous devons être encouragés à de plus en plus soutenir. And we need to encourage ourselves. Ceux qui sont dans l'église et qui sont dans le besoin. So, some people in the church that are in need. Jésus, même quand il est venu. Jesus, when he came. Il a produit des bonnes œuvres. He produced good things. Pour aider ceux qui sont dans le besoin. He people in need. Il a multiplié du pain. He multiplied the bread. Pour aider ceux qui ont faim. To help people that are hungry. Pour aider du poisson. He multiplied the fish. Donc, Jésus fait son ministère. Even Jesus is ministering. C'est un ministère de compassion. It was a ministry of compassion. C'est un ministère de bonnes œuvres. It was a ministry of good things. Et en tant que disciple de Jésus. As a disciple of Jesus Christ. We need to produce good things. Nous devons aider ceux qui sont dans le besoin. We need to help people in need. Et ceux qui sont dans le besoin, bien aimé. And people in need, my brothers, on les retourne dans les prisons. On les retourne dans les prisons. They are in prison. On les retourne dans les hôpitaux. They are in hospitals. Et en tant que chrétien, tu as aidé. As a Christian, my brothers, c'est cela que tu dois soutenir. You need to help those people. On ne peut pas aller derrière, aller prêcher la Bible en prison. In the prison is good. Je vais vous raconter une histoire. I'll tell you a story. Vous voyez qu'il y a un pasteur. The pastor. On dit qu'il allait à la Maca. He used to go to Maca. Chaque fois qu'il arrive, il prêche la bonne nouvelle aux prisonniers. When he gets to the prison, he preaches the good news to them. C'est pas une chose mauvaise. It is not a bad thing. C'est une bonne chose. It's a good thing. Puisque beaucoup ont péché, ils sont arrivés en prison. Many of them are sick and they find themselves. Parce qu'ils ne prennent pas de prison, ils sont arrivés en prison. They don't know God and they find themselves. Mais il est venu une première fois, il a prêché. He went once, he preached. Beaucoup de personnes sont venues le voir. Beaucoup de prisonniers sont venus le voir. Many prisoners came and see him. Deuxièmement, des gens sont venus l'écouter. Certain steps came to listen to him. Mais au fur et à mesure qu'il va en prison, after God on when he was going to the prison, il a remarqué que le nombre de personnes diminuait. He see that people were reducing. Et un jour, il va dire à mes stats, le nombre de personnes diminuait, c'est il restait quelques personnes. So he noticed that people. Et puis il demandait à quoi ça. So he asked himself.
a Marie dit, voici une femme qui est là-bas, c'est là-bas, mais c'est là tous les prisonniers s'encore. Et par rapport à une femme aussi, elle vient, elle prend la veine. Ici, il est woman that comes to preach the word. La parole. She preaches the word. Mais en même temps qu'elle prête la parole. And when she preaches the word, elle s'en va avec du pain. She goes de la sardine. She goes de la sardine. To carry her bag. And she give it to them. Donc les prisonniers préfèrent. And prisoners they prefer. Aller écouter sa parole. To listen to that woman. Qu'elle allait écouter la parole de quelqu'un qui prête la parole. To listen to them. The person that preaches on it. Elle dit qu'elle ne produit aucune œuvre. And she don't produce a good thing. We have to do like that. Dans la prison, les gens sont dans le but. Tu vas aller prêcher la parole. Il y a people that in need. À quelqu'un qui a faim. No, we must preach the word to somebody that is hungry. Il n'est pas disposé à écouter la parole. He is not listening to you. Tu vas aller prêcher la parole à quelqu'un qui n'a même pas d'habit à porter. He will preach the word to somebody that don't have clothes to wear. Il n'est pas disposé à écouter. He is not ready to listen to you. Vous pouvez dire comme ça, non. L'homme qui a fait n'est pas un homme. Il a dit, Tabitha, lève-toi. Il fait Tabitha stand up.
l'immunité de la mort. Tout ça protège. Sera la honte de tes yeux. Because of their weakness. Bien aimé, donc les gens que tu produis, par exemple, je dis que tu as produit des monstres que c'est inutile. Okay, it's not vain. Parce que les gens te disent à quoi bon. You can say why. À quoi bon aider ceux qui sont dans le besoin. Why do that? Why do that? À quoi bon aller aider les prisonniers. Why help people? À quoi bon aller visiter à l'hôpital des malades. Why do that? Every person has sick people. À quoi bon aller à l'hôpital avec un peu d'argent pour donner à ceux qui sont là-bas. Why do you go to the hospital? Parce qu'il y a des gens dans l'hôpital. Because there are people in hospital. Ils sont des ordonnances qui sont là. They have ordonnances that they get paid. Personne pour payer. No one to buy them. Personne pour leur dire. Not them to say I love you. Et ils sont dans la solitude. And they are lonely. Et ils attendent qu'il y a dans une âme charitable pour les aider. They are waiting for a good soul to come and help them. Ne pense pas qu'à la renverser là tu ne gagnes rien. When you go to those people, don't think that it's. Capita a posé des yeux. Capita a that thing. Et le moment venu, and that when the time came, c'est même vraiment en parler pour elle. But he spoke for her. Au moment où elle était dans le besoin, when she was in need, c'est là elle a compris l'utilité de ce qu'elle a posé par feu. She understood the need of what she had. Ne pense pas qu'est-ce que tu fais. Don't think that what you are doing. Ou si tu fais quelque chose, if you are doing something, ne pense pas que c'est inutile. Don't think it's useless. Le moment venu, c'est là que tu vas voir. When the time will come, you will see how important. Si pour l'instant tu ne vois rien, maybe for now you are not seeing anything. Par exemple, le moment viendra. Parce que le moment tu vas voir tes yeux à la vie de ta famille. Amen. Ça veut dire que les gens abusent. It's true that people can abuse you because you are. C'est des yeux qui sont généreux. When you are generous, people can abuse you. Des yeux qui ont fait gros. People that they are here, they are here. People abuse you. Pour Abidjan. In Abidjan. Les gens qui sont pas dans le besoin, ils sont grands. People that they are not in need will come. Même s'ils viennent demander de l'aide. If they come and ask for help. Et que tu les soutiens. And you support them. S'ils ont besoin abusé de toi. If they abuse you. Et le temps est arrivé, ça va tout voir régler. Don't worry, they will solve the problem. Ça va tout voir régler. They will solve the problem with God. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'individu. It's not because of someone. Que tu vas soupçonner tout le monde. That you will suspect. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'individu. It's not because of someone. Que tu vas arrêter tes délais. That you will stop. Si tu le fais, if you are doing it, les gens qui ont besoin de toi, qui sont réellement dans le besoin. There are people really in need that we have. Tu vas les laisser périr dans leur situation. And you will be a blessing for them. Bien aimé, donc le Seigneur te demande ce matin. The Lord is asking you this morning. De produire des yeux. To produce these. De faire de l'aumône. To do sacrifices. D'aider ceux qui sont pauvres. To help people that they are. D'aider ceux qui sont misérables. To help vulnerable people. D'aider ceux qui sont rejetés. To help people that they are rejected. N'en a pas d'aller riche pour le faire. No way to be rich before you do it. Le peu que tu as, the small that you have, c'est Dieu qui te l'a donné. God has given to you. Ne pense pas que ce que tu as est pour toi. Don't think that what you have is for you. Rien de ce que tu as ne t'appartient. Nothing of what you have is for you. Ton argent ne t'appartient pas. Your money does not belong to you. Dieu te l'a prêté pour aider, pour t'aider et aider les autres. God borrowed you that money to help others. Même les enfants que tu as donné ne t'appartient pas. Si the children that you have, ce n'est pas ta propriété. It's not their own property. Dieu te l'a prêté pour les bien. All you don't need to raise them well. Tout ce que tu as comme argent, every money that you have, tout ce que tu as comme bien, what you have as well, Dieu te l'a prêté bien. God just borrow you just pour que tu sois une source de bénédiction. For you to be a source of blessing around you. Dieu te demande donc de faire usage. God is asking you to use. Dieu te fait bon usage. And to use it good. De ce qu'il t'a donné. What he has given you. Bien aimé, my brethren. Dans la Bible, in the Bible, il y a plusieurs cas. There are many cases. Plusieurs exemples. Many examples. Des gens, of people, qui étaient dans le besoin, that were in need, et qui ont été aidés. And they were having help. Bien aimé, my brethren, nous connaissons le cas de Corneille. We know the case of Corneille. On peut prendre acte 10. In Act 10, verset 1 à 4. Verse 1 to 4. Acts chapter 10, Acts 10, 1 to 4. After 10, verset 1 à 4. Acts 10, 1 to 4. Qui va nous lire? On vous a distribué des Bibles, hein? Donc tout le monde doit avoir une Bible. Everyone has a Bible, they distribute to you. Chapitre 1,
D'accord. C'est toi qui vas dire ce matin. Acte 10, 1-4. Tu vois pas clair. Acte 10, verset 1 à 4. Le Seigneur dit, c'est toi qui vas lire. The Lord said you will be the one to read to me. Awa, pour lui comme ça. Awa has written enough. John, toi aussi tu sais pas chercher vite, hein? Ça veut dire que... À partir de 1. 1 à 4. 1 jusqu'à 4. Il y avait un Césaré. Un homme nommé Corneille. Bon, tu vas achever son travail. Il y avait à Césaré un homme nommé Corneille. S'en tenait dans la grosse dite italienne. Et à quatre. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Et lui dit, Corneille, regarde fixé sur Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi. Il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Vous voyez bien aimé. You see my brother. Money, Connell, c'était pas un juif. It was not a Jew. Mais Saint-Denis, c'est donc un Romain. It was a Saint-Denis, c'est quoi? Mais quoi? Saint-Denis, quelqu'un qui est établi sur. I'm talking English. Saint-Denis. C'est quelqu'un qui est établi. It's a person that is established. Saint-Denis. Sur le sang sur table. It's controlling angry culture. Voilà, c'est ça, un Saint-Denis, c'est un Romain. C'est Saint-Denis. Hein? Et centurion. Centurion aussi, c'est ça, un centurion. C'est centurion. Donc, bien qu'il n'était pas juif, he was not a Jewish. Il priait beaucoup, il faisait beaucoup de monde. He used to pray a lot and he used to do a lot. Même s'il aidait l'église, he was helping churches et il aidait les gens. And he was helping people. Et il priait sa prière, he was praying. C'était qu'il voulait connaître le véritable Dieu. He wanted to know the real God. Et il voulait être sauvé lui et sa famille. He wanted to be saved, he and his family. Et comme il ne connaît pas, il n'a pas une culture juive. Because he's not a Jewish. Il ne sait pas comment faire les prières. He don't know how to pray. Et il connaissait tout le monde. But he was doing sacrifices. Il aidait tout le monde. He was helping others. Et voilà que lui qui est païen. And he that is a. Lui qui est romain. He that don't believe God. He that est de l'homme. Va lui apparaître. An angel appears to him. Le Seigneur va lui envoyer un ange. The Lord will send an angel to him. Un ange va lui dire. And the angel will tell him. Tes prières et tes aumônes. Your prayer and your sacrifice. Vont monter jusqu'à Dieu. Have come to God. Donc à cause de tes aumônes et de tes prières. Because of his sacrifices and his prayers. Dieu a réagi. God reacted. À cause de tes prières et de tes aumônes. Because of his prayer and his sacrifice. Dieu a envoyé à Corneille un ange. God brought him an angel. Vous voyez. You see. Donc les aumônes que nous faisons. You see that the sacrifice. Les offrandes que nous faisons. The offering that you are doing. Les choses de charité que nous faisons. The charity things that you are doing. Peuvent toucher le cœur de Dieu. Can touch the heart of God. Peuvent amener Dieu à nous déposer. Can make God to exalt our prayers. Et donc l'ange lui a dit, tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Et l'ange va lui dire, va appeler Pierre. Et l'ange va lui dire, va appeler Peter. Et lorsqu'il allait appeler
Saint-Esprit. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. And they received the gift of the Holy Spirit. Mais dans ce monde, ils étaient au début de l'église. But it was in the beginning of the church. Pierre était surpris. Peter was surprised. Il dit, ah, donc les païens aussi peuvent recevoir le Saint-Esprit. So, and God's people can also receive the Holy Spirit. Les circoncis aussi peuvent recevoir le don du Saint-Esprit. And the converted people can also receive the Holy Spirit. Parce que Pierre vu qu'elle a pensé. Because Peter thought that Jésus le Saint-Esprit était réservé aux Juifs. That the Holy Spirit was only for the Jews. Voilà du coup que le Saint-Esprit descend sur les non-Juifs. And the Holy Spirit came upon people that they had. And they received the gift of the Holy Spirit. Et commence à parler à l'âme. And they started to speak in tongues. And everyone was surprised. Ils reçoivent en même temps la vie éternelle. And they received eternal life. Bien aimé, à cause de vos mots. Because of the sacrifices. Donc, les non-Juifs bien aimés peuvent nous sauver. But our teeth, my brother can say. Nos yeux peuvent nous sauver. Our teeth can say. Les personnes se sont prêtes. Pourquoi Pierre va prier pour eux? Some people say, why did Peter need to pray for them? Et Pierre a dit, est-ce que je peux refuser l'eau du baptême? Peter will say, can I refuse the water of the baptism? C'est ça à qui Dieu a déjà donné le don du Saint-Esprit. God has given the gift of the Holy Spirit. Moi, Pierre, je suis pour leur refuser le don du baptême. Who am I to refuse to give it to them? Et Pierre va baptiser Cornel et toute sa famille. And Peter will baptize Cornel and all his family. Bien aimé, et tout cela est arrivé. And all this came. À cause des souffrances de Cornel. The sacrifices of Cornel. Bien aimé, donc, à cause de tes souffrances. Because of your good sacrifice. À cause de tes bonnes œuvres. Because of your good deeds. À cause de l'aide que tu apportes à toi. Because of the help you are ready to be to. Dieu peut t'exaucer. God can exaucer. Il a exaucé Cornel. As he has done for Cornel. Dieu peut te sortir de n'importe quelle situation. God can bring you out of any. Il a sorti ta vie de la mort. Because of what you are doing, tu trouveras une main pour te relever. You will have a hand to raise you up. Tu as une main pour te relever. You will have a hand to raise you up. Ta Peter était tombé mort. Ta Peter was dead. Mais elle a eu la main de Pierre. But the hand of Peter came. Pour la relever, elle s'est levée plus vivante. Pour elle faire to stand up strong as she never did. Donc si tu poses la condition, if you put into the même secours lorsque tu seras dans le pire. You will be rescued when you are in need. Bien aimé, comme je le dis, la Bible, il y a plusieurs exemples. As I've said, there are many examples. Il y a plusieurs exemples. There are many examples. Nous allons prendre Jacques 2. We are going to take James 2. 21. Jacques chapitre 2, verset 21. James 2, 21. James 2, 21. Jacques chapitre 2, verset 21. James 2, 21. Jacques chapitre 2, verset 21. James 2, 21. On est nombreux à voir la Bible, c'est vrai. We all have Bible. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Amen. Amen. Donc ici on nous dit que Abraham a été justifié. They tell us that Abraham was justified by his deeds. Abraham a été sauvé. Abraham was saved by his deeds. Abraham a été reconnu comme le père de la foi. Abraham was reconnaissé par ses œuvres. By his deeds. Abraham a été béni. Abraham was blessed par ses œuvres. By his deeds. Et Abraham est devenu une grande nation. And he became a big nation. Abraham est devenu père d'une multitude de personnes. And Abraham became the father of Parmi Dieu l'a mis à l'épreuve. Because God tried him. Il a accepté d'offrir son fils unique. He accepted to offer his only son. Et à cause de cela, Dieu l'a béni. Because of that, God has blessed him. À cause de cela, Dieu l'a justifié. Because of that, God has justified. À cause de cela, Dieu l'a élevé. Because of that, God has lifted him. Si Abraham avait refusé de produire de cette œuvre, if Abraham refused to do that, Abraham n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui. He would not be what he is today. Mais à cause de ses œuvres, because of his deeds, Dieu a béni Abraham. God blesses. Bien aimé, il y a plusieurs exemples. There are many examples. Nous avons le cas de Rahab. We have the case of Rahab. Rahab, la prostituée. Rahab, the prostitute.
Jean 10, verset 25. James 10, 25. James 10, 25. Because of that good thing he
Dieu a construit. Il peut être synagogue. Dieu a, Jésus a guéri le serviteur de ce sanctuaire. He has healed the servant of the sanctuary. À distance, il a été guéri. From the far, he healed him. Jésus n'avait pas eu besoin d'aller prier pour lui. He just depending for a prayer for him. À distance, il a reçu sa guérison. But the servant just healed. Avant qu'il était sur le point de mourir. He was about to die. Et cela parce que le sanctuaire, because the sanctuary a produit des bonnes œuvres. It produces good things. Bien-aimé, my brethren, nous les évangélistes, we evangelists, nous aimons vivre par la parole. We just need to live by the word. Nous aimons vivre par le discours. We like to talk. Nous aimons vivre par la prière. We like to pray. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit. But the Lord is telling you today. C'est bien de prier. C'est bien de prier. It's good to pray. C'est bien de dire que tu as la foi. It's good to say that you have faith. Mais cela doit être accompagné de ce. But you need to show me. God is asking you, my brother, to come capita. Like capita. The produce that comes here will come to produce good things. You forget the joy that you produce what is here. Your seed that you are producing have to be. They will testify in you. May God bless you. Yeah, we are going to send up. Yeah, we are going to stand up. Avant de lever. We are going to stand up. Bien aimé. Il y a des gens qui prennent la décision. There are people that take the decision. D'aider les déprimés. To help those people. Il y a des gens aussi que Dieu voit. There are people that God has not said. Pour aider les déprimés. To help people in need. Il y a des gens même qui leur a donné le ministère. There are people that God gave them this ministry. If Dieu leur a donné le ministère, Dieu leur a dit toi. He gives them the ministry. Tu vas aider les orphelins. And he tells them to help. Toi, tu vas aider les prisonniers. To help prisoners. Toi, tu vas aider. Donc, ils aident les gens. That they help. Vous allez dans les orphelins, vous verrez des gens qui viennent. You go to motherless house. Qui viennent et ils aident cela. You will see people that come there. Vous allez dans les hôpitaux ou dans les prisons. You go to hospital. On va aller dans les prisons et ils vont vous dire c'est le ministère de Dieu leur a donné. You will see some people that will say that it's a ministry God has given them. Bien aimé. And brethren. Peut-être que toi aussi tu veux être un ministère. Maybe that is your ministry. Tu veux ce ministère, tu vas avancer et on va prier pour que tu aies le discours de ton cœur. If that is your ministry, you will come forward for me to pray for you. Pour que Dieu te forme, ça sera comme charge, comme pardon. And God will give it to you as a part of your aider pour produire des bonnes choses. To produce good things. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ce ministère? Who wants that ministry? Parce que quand tu vas compris ce ministère, bien aimé, tu dois t'oublier. Because you forget your mais dis-moi moi aussi, je suis dans le besoin. Don't say that I'm in need. Mais dis-moi moi aussi, j'ai besoin d'argent, puis je vais prendre l'argent pour aller donner à quelqu'un. Don't say that you need money and you go and give your money. Dans un on en a besoin. You want to use your money. Riche. Even if you are rich, you will always need money. Quand vous allez le vous faire. You raise your hand. Ils disent qu'ils veulent aider les déprimés. These people want to help poor people. Ils veulent aider les orphelins. They want to help orphans. Ils veulent aider les veuves. Ils veulent aider les malades. They want to help sick people. Ils veulent aider les prisonniers. They want to help prisoners. Seigneur notre Dieu, Lord our God, je te rends grâce. Et je te dis merci. And I say Seigneur, voici tes enfants. These are your children. Qui sont venus et qui veulent aider. They came and tous ceux qui sont dans le besoin. We want to help people in need. Ils veulent aider tous ceux-là qui souffrent. We want to help people that are suffering. Ils veulent aider les veuves, Seigneur. We want to help widows. Ils veulent aider les orphelins. We want to help orphans. Qui n'ont ni père ni mère. Qui n'ont pas faim. Qui ont été abandonnés par vous. Qui n'ont rien à manger. 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 Seigneur, je veux le prix, etc. Que tu leur apportes le don de la compassion. Le prix de leur apporte ce don-là, le don de la compassion. Que tu mettes ce pardon dans leur cœur. Mets ce pardon dans leur cœur. Et pour faire des enfants, Seigneur de Dieu, allez aider les pauvres. Pour aider les pauvres. Il faut d'eux. Il faut d'eux. Seigneur, ils ont besoin de moyens. Ils ont besoin de moyens. Ils ont besoin de moyens. Ils ont besoin de moyens.
qui est venu. C'est le ministère pour lequel moi-même j'ai venu. Pour aider les misérables, pour aider les rejetés, pour aider les opprimés. À cause que le ministère a des enfants, c'est mal. À cause que le ministère a des enfants, c'est mal. À cause que le ministère a des enfants, c'est mal. En fait, on parle tous les dirons. Là, je sois une source de pénétration. Je sois une source de pénétration. Je sois une source de pénétration. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On va lever le tout nos mains. On va. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci. Merci pour ce passage que nous avons. Merci Seigneur notre Dieu. De nous avoir fait comprendre. You made that one sense. Que par nos œuvres, by our deeds, nous pouvons être exaucés. We can be exaucés. Merci de savoir faire comprendre. Thank you because you made that one. À cause de nos œuvres. Because of our. Quelle que soit la difficulté. Whatever the difficulty. Que nous avons fait, Seigneur notre Dieu. Nous ne comprenons pas de ton esprit. Seigneur notre Dieu, parmi tes enfants, you will refuse us love. Quelqu'un nous a posé des œuvres de charité. They want your children to come. Mais aujourd'hui, ils sont dans le besoin. À cause de leurs œuvres, Seigneur, religiously. Et je vous dis souvent d'arrêter de vivre de façon religieuse. Amen.